Je m'appelle Margot Essono, je suis chargée de mission, démonstrateur ADEME pour la ville de Losangoël. Je travaille sur tout ce qui est stratégie de conduite du changement pour la commune, qui a été reconnue par l'ADEME en 2014. C'est une commune de 7000 habitants dans le bassin minier du Pas-de-Calais, qui a dû rebondir suite à la fermeture de son dernier puits de mine en 86 et trouver les moyens de se réinventer. Ça s'est fait par ce qu'on appelle la stratégie de conduite du changement, c'est-à-dire la manière dont on a pu embarquer la population avec nous dans toute une dynamique de transition. On essaye d'agir un peu sur tout. On a une action qu'on peut qualifier de systémique et on essaye de faire en sorte que chacun de nos projets puisse avoir un impact positif sur l'ensemble de la dynamique de la commune. On a par exemple refait la toiture de l'église de la commune en y intégrant des panneaux photovoltaïques, des aménagements en ville sous forme de jardins partagés, des activités économiques orientées transition qui se sont installées. Donc c'est aujourd'hui un pôle d'excellence du développement durable. L'avenir pour la commune, c'est de faire en sorte que les habitants soient encore plus engagés dans toutes les actions qu'on peut mener, qu'ils puissent être encore plus à l'initiative d'un certain nombre de projets. C'est de se tourner aussi vers la transition énergétique, avec l'idée d'arriver vers le facteur 4 d'ici 2050 et donc la mise en place de toute une stratégie de transition énergétique. Voilà nos principaux projets.